L'artiste de la semaine sur RCM, lundi, mardi, jeudi et vendredi à 13h15. Cette semaine, c'est le groupe Alf Moonron qui est à l'honneur à 13h15 sur RCM. Et c'est un coup de cœur de Sabine Bouchoul du blog musical Rock'n'Fool. Bonjour Sabine. Bonjour Jérémy. Alors pourquoi ce groupe Alf Moonron, ils viennent d'où? Alors, comme tu sais, le Canada en ce moment, c'est la grosse sensation, le gros coup de cœur des Français. Tout le monde se barre là-bas et en espèce d'échange, ils nous offrent le meilleur de leur musique. Et Alf Moonron, justement, c'est un groupe canadien d'Ottawa, donc un trio composé de Devon, Dylan et Connor. C'est un groupe indie folk, indie rock, quand tu l'appelles comme tu veux, avec des grosses influences Arcade Fire, grosse sensation musicale, on en parle partout. Ouais, c'est mon gros coup de cœur. Le Canada, le Québec, ils font parler d'eux. À Bourges, cette année, c'est un autre groupe hein, québécois. Monogrenade. Alors la différence, c'est que Monogrenade, eux, chantent en français, Alf Moonron chante exclusivement en anglais. Mais pareil aussi, c'est influence Arcade Fire, Patrick Watson, enfin tout canadien et montréalais est forcément influencé par ces deux-là. Et ben justement, ils ont un peu explosé en même temps, à quelques mois de différence. Et en France, c'est des gros coups de cœur, on les retrouve un peu partout. Ils étaient justement à Paris, dans le cadre du Festival des Nains Rock. Il y a un titre que tu voulais faire découvrir aux auditeurs. Oui, alors Call Me in the Afternoon. C'est avec ce morceau-là qu'ils ont un peu explosé en fait en France. Donc un morceau très dansant, très, très rythmé, avec beaucoup de batterie, de percussions. C'est une grosse force d'ailleurs d'Alf Moonron d'exploser comme ça avec plein de percus. Et on l'écoute tout de suite. On se retrouve demain, même heure. Ciao Sabine. Call me in the afternoon, even by one, by one. Call me in the afternoon, even by one, by one. L'artiste de la semaine sur RCM, lundi, mardi, jeudi et vendredi à 13h15.